La Bible dit, vous recevrez une puissance. Elle dit, vous recevrez une puissance. Elle dit, vous recevrez une puissance. Vous savez, regardez-moi un instant. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne respectez pas. Ce que vous ne respectez pas, vous ne le recevez pas. Ce que vous ne cherchez pas, vous ne l'avez pas. Vous devez comprendre que pour pouvoir boire le Saint-Esprit et perdre l'onction, cette onction reste à l'intérieur de vous, mais le Saint-Esprit reste à l'intérieur de vous, mais l'onction n'y est plus. Le Saint-Esprit ne vous quittera pas, mais l'onction peut vous quitter. Quelqu'un m'entend dans la salle? Vous pouvez recevoir l'onction aujourd'hui et dans une semaine, elle n'y est plus. Parce que chaque jour, vous devez aller dans la présence de Dieu pour être rechargé d'onction. Sinon, l'onction doit être renouvelée. Le Saint-Esprit reste le même, mais l'onction doit être renouvelée. Quelqu'un m'entend ici? Si tu as vraiment soif, tu devrais prier avec moi. Parce que moi, je ne te donne pas mon onction. J'en ai besoin. Toi, tu as besoin de ta propre part. La Bible parle des vierges folles, parlant des lampes. Ta lampe ne peut pas être allumée s'il n'y a pas d'huile. Et l'huile, c'est l'onction qui garde la flamme du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu n'as pas l'huile, tu es éteint. Et tu fonctionnes à la manière des hommes. Tu quittes le supernaturel. Quelqu'un m'entend ici? J'ai dit à mes enfants sur Paris, j'ai dit, si vous ne respectez pas mon onction, je peux prier pour vous, vous ne l'aurez pas. Mon onction vous fuit, même si je vous aime comme un père, mais mon onction vous fuit. Parce que l'onction suit les principes. L'onction ne vient pas, Dieu ne donne pas l'onction pour donner. Dieu n'est pas un fou. S'il voit que tu es fou, il ne te donne pas son onction. Tu vas tuer tout le monde. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend? L'onction respecte des principes. Et l'onction doit être entretenue. C'est toi qui entretiens tes habits et tu entretiens ton revêtement. De la même manière qu'un fou peut enlever ses habits et marcher nu. C'est pourquoi Jésus dit, le Seigneur dit dans l'Apocalypse, il dit, hey, tu es aveugle et nu. Tu n'as plus de revêtement. Il ne parle pas du pantalon que tu as acheté chez le marchand. Il parle de cette onction, cette gloire qu'avaient Adam et Ève. Au point où ils étaient nus, mais revêtus de la gloire, ils ne voyaient pas la nudité. Quand ils ont perdu la gloire, ils se sont retrouvés nus. Veuillez vous asseoir. J'ai voulu vous amener un moment de hauteur, mais je n'ai pas pu. Parce que vous ne comprenez pas comment fonctionne l'onction. Alors je vais devoir vous l'expliquer. En espérant que vos cœurs vont s'ouvrir pour l'action de Dieu. Et que nous soyons tous remplis de la puissance d'en haut. Quelqu'un m'entend ici? Vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez pas. Les femmes, vous êtes là? Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. L'onction prophétique aime le bruit. En fait, elle est challengée par le cri et le bruit. C'est pourquoi Dieu aime les trompettes et les cris et les tremblements et les tambourins et les... C'est ça. Alléluia. Il aime les cris, les tambourins. C'est pourquoi le pasteur Nina est bien placé pour parler de l'action de chaque instrument. Que chaque instrument permet à un mouvement de l'esprit de se mouvoir ou encore de se mettre en place dans la congrégation ou dans un environnement. C'est ça? Est-ce que je suis prêt? T'es là? Que chaque instrument, le Saint-Esprit utilise chaque instrument pour se manifester. C'est pourquoi le shofar a une action exceptionnelle devant le trône. Le prophétique aime le cri, aime le bruit, aime le son, aime la joie. Le prophétique. C'est pourquoi quand le peuple d'Israël vivait des temps difficiles,
Et quand il leur envoyait un messager, le messager venait d'abord avec une prophétie. Parce que le peuple est dans... Ils sont abattus. Et le peuple pleure. Alors Dieu envoie quelqu'un qui a une onction pour relever. Donc la première chose que le prophète a dit, ainsi parle l'Éternel. Et il parle de l'avenir. Il annonce ce qu'il va faire. Et le peuple se relève. Et les cris de joie. Et le prophétique se met en place. Dieu se met en place. Le ciel se met en place. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'espoir, il n'y a pas les cris, il n'y a pas de louange, Dieu ne se met pas en guerre. Vous avez déjà vu un peuple qui gagne une guerre par la louange? En Israël, quand il y avait guerre, on met les musiciens et les chantres devant. Et quand ils jouent des instruments et qu'ils chantent, professeur, il dit, bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie. Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie. Bienheureux. Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie. Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie. La sobralise, là, c'est. Et c'est là, même peu importe ce que tu vis. Peu importe ce que tu vis, même si l'ennemi te tape toute la nuit et tu ressens la douleur dans tout ton corps, marche comme ça. Je louerai l'Éternel. Je le louerai toujours. Et quand vous le louez comme ça, le ciel, vous savez, le ciel ne répond pas aux pleurs. Et c'est comme si ta voix était entendue en haut. Et les anges font ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui vient de la terre. Et tu es là, Seigneur Dieu. Je te louerai toujours, toujours et toujours. Nandolo sadala sheke. Parasinda salo saba. Nasakare sande shado prale. Daze laso. Shikade razo blade. Mande sidaro kasi. Shada brazo da seca sobra leda yebasa brinda secando sorori razo da zereza. Paul a dit, je chanterai en langue, mais je chanterai aussi par intelligence. Brali sanda sobra la zete sudala zikando si shade. Paul a dit, je prierai en esprit et je prierai aussi par intelligence. Ça veut dire que pour Paul, la prière en esprit était prioritaire. Il dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi par intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi. La Bible dit, entretenez-vous. L'onction a besoin d'être entretenue. L'onction ne vient pas le jour où tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Elle vient progressivement. Le Saint-Esprit vient du coup, le même jour. Il descend en toi, dans toute sa plénitude. Mais l'onction vient par portion, chaque jour. Chaque jour, devant la face de Dieu, il dépose une huile. Et petit à petit, tu sens que quelque chose bouge à l'intérieur de toi et qu'il y a une force autour de toi qui t'enveloppe. Tu ne comprends pas, mais si tu es sur le chemin de la gloire, l'onction vient avec fidélité. L'onction, c'est par fidélité et par discipline. L'onction est dans le service. L'onction ne vient pas, genre, j'ai jeûné 40 jours et 40 nuits et je sors. Je brûle de mille feux et je descends dans une réunion. Faux. tu as fait peur à la mamie. C'est pas une bombe. Est-ce que vous m'écoutez les chantres? L'onction vient par le service et la fidélité. Tu peux jeûner 3 jours, Seigneur, remplis-moi ton onction aujourd'hui, les signes et les produits, il n'y a pas. Tu auras juste une petite portion. Et puis Dieu regarde ta fidélité devant son trône. Dieu regarde ta fidélité et ta discipline devant son trône. Parce qu'elle vient par portion. Elle ne vient pas du coup. Et si Dieu te le donne maintenant, tu vas devoir l'entretenir parce que tu peux perdre cette onction. Et quand tu perds l'onction, tu fonctionnes comme un être humain. Quand l'onction est sur toi, tu fonctionnes comme un être surnaturel. C'est l'onction qui fait de toi un homme surnaturel dans ta façon de penser. Quand tu perds l'onction, tu fonctionnes comme les êtres humains. Tu deviens une poule
de la basse-cour. Quand l'onction est là, tu es l'aigle. Quelqu'un m'a dit, mais homme de Dieu, écoute, il faut nous dire. Et un de mes fils m'a dit, papa, nous pensons que tu es devenu robot. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que ta femme n'est pas là. Et puis, ça fait 4 ans. J'ai dit, mon petit, c'est celui qui s'attend à Dieu. Ce n'est pas celui qui crie à Dieu. Celui qui s'attend à Dieu renouvelle ses forces. Je ne suis pas un robot. Mais je sais où se trouve la force de Dieu et la puissance de Dieu. Je sais à quel niveau se trouve the anointing of the Holy Spirit. Je sais où aller la chercher. Quand tu la perds, tes sens prennent le contrôle. Quand elle est là, tu fonctionnes comme un fils de Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Ce qui maîtrise le corps, ce n'est pas le jeûne. C'est the presence of God. C'est la présence de Dieu. Elle est plus puissante que la chair. Et plus tu passes du temps dans sa présence, plus ta chair ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Elle a tendance à suivre Dieu. Elle se plie à la force et la puissance de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est l'onction. J'ai dit la présence de Dieu. Il y a une différence entre l'onction et la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est sa personne. C'est lui-même. L'onction, c'est sa puissance. C'est ce qui émane de lui et nous touche. Que nous ressentons dans chaque réunion. Nous ressentons la puissance de Dieu et non la présence de Dieu. La présence de Dieu, on doit être conscient d'elle. Dieu est-il dans cette salle? Est-ce que vous le voyez? Cependant, vous en êtes conscient. C'est ça. On est conscient de la présence de Dieu. Et on ressent la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Allez vous asseoir. Merci. Je te garde. Merci les chantres. Et puis tu dis, how God is greater, how God is stronger, God you are higher. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is greater, our God is strong. C'est ça. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, handsome and power, our God, our God. Qui peut être contre nous? 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 Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et si Dieu est avec nous, qui peut se tenir? Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Qui sera contre nous? How God is greater. Notre Dieu est le plus grand. Le plus grand. Tu peux m'afficher Psaume 91, s'il te plaît.
Pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez les prendre. Psaume 91, un verset que nous connaissons tous. Psaume 91, verset 1. Agarizil, Gatua, Den Nihoda, Agarizil, Ensemble and Power, Haga, Ensemble and Power. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Rien qu'un verset. Rien qu'un verset. Celui qui demeure à l'abri secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un verset. C'est pourquoi vous ne sentez rien dans ce verset parce que vous le connaissez et vous le récitez tout le temps. Parce que vous avez l'impression de connaître exactement ce dont il parle, ce verset. Et vous le récitez, l'Éternel, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lisons-le ensemble. J'ai pris la version Derby parce qu'elle explique mieux. J'ai déjà lu la version Louis II, mais c'est un peu plus proche de ce que j'ai envie de partager. Il dit, celui qui habite dans la demeure secrète, donc il y a une demeure appelée demeure secrète, du Très-Haut, dans la demeure secrète du Très-Haut, dans la demeure secrète du Très-Haut, celui qui demeure, celui qui réside, qui fait de son habitation l'abri secrète du Très-Haut, abri secrète du Très-Haut. Qui peut te trouver lorsque tu es dans l'abri secrète du Très-Haut? Vous voyez, Très-Haut, c'est un des noms du Dieu d'Israël, El Elyon. Le Dieu le plus élevé en termes d'autorité et de positionnement. Celui qui a la position la plus élevée dans le monde spirituel. Il est situé dans la brise secrète de El Elyon. C'est-à-dire que le diable a sa position, les démons ont leur position, les sorciers ont leur position. Mais si toi, tu demeures dans l'abri secret du Très-Haut, El Elyon, en termes d'autorité et positionnement, c'est la position la plus élevée. Et après cette position, il n'y a plus une autre position en dehors de celle-là. El Elyon est celui qui demeure sous l'abri secret du Très-Haut. Il y a un endroit appelé demeure secrète du Très-Haut. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand tu es dans l'abri secret du Très-Haut, personne ne prophétise sur toi. On ne sait même pas si tu as un ministère. Toi seul, tu le sais. Tes épreuves, personne n'amène une parole pour te dire, en fait, Dieu veut. Tu n'as aucune information. Quand tu es dans l'abri secret du Très-Haut, comme un enfant dans le ventre de sa mère, comment vous appelez la maison dans laquelle reste le bébé? Hein? Quand le fœtus est à l'intérieur, il y a une maison à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de cet endroit que l'enfant se développe. L'enfant n'est pas prêt à affronter l'extérieur. Il est à l'abri secrète. Quand tu es à l'abri secrète du Très-Haut, quand tu es dans l'abri secrète du Très-Haut, personne ne prophétise sur toi. Tu es caché dans l'abri secrète du Très-Haut. Et tu n'es pas révélé, parce que le temps pour toi d'être révélé n'est pas encore venu. Tu n'es pas encore bien développé pour faire face à l'extérieur comme un fœtus. Et là, le bébé ne doit pas sortir avant son temps parce qu'il est à l'abri secrète du Très-Haut où il est préparé pour un temps bien déterminé. Quelqu'un dit alléluia. Quand tu es dans l'abri secret du Très-Haut, les questions que tu te poses, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Tu m'amènes où? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ma vie? Mais finalement, je ne comprends pas ma vie. Quand tu es dans l'abri secrète du Très-Haut, le Très-Haut ne te parle pas. Parce que tu n'es pas censé bouger de là. Quelqu'un m'entend ici? Tu n'es pas censé sortir de cet endroit. Reste dans l'abri secrète du Très-Haut. Si on commence à lire à ta vie, alors on peut te tuer avant le temps. Le fœtus ne doit pas sortir avant 9 mois, tant qu'il n'est pas formé. Quelqu'un dit alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons comme ça. Seigneur, mais pourquoi depuis que je prie, ce n'est pas un problème de prière.
Tu es à l'abri secret du Très-Haut. Les éléments qui peuvent te permettre de faire face à l'extérieur ne t'ont pas encore été. Tu es en formation, Fœtus. Peu importe le ministère que tu as, que tu ressentes l'onction, que tu ressentes quoi, que tu lises bien la parole, tu es à l'abri secrète. Quand c'est secret, il n'y a que Dieu qui connaît l'endroit. Amen. Tu n'es pas révélé aux gens. Les gens, ils te voient, ils ne comprennent pas ta vie. Même moi, prophète, je peux regarder, je regarde. Dieu dit, celle, tu ne vois rien. Et puis je te dis, je ne vois rien. Oh, pourquoi les prophètes ne voient rien? Seigneur, mais pourquoi ma vie? Il dit, abri secrète. Il n'y a que le Très-Haut. Le prophète ne voit que ce que Dieu veut qu'il voie. Il n'a pas la capacité de lui-même. À moins qu'il interacte avec Dieu et dans leur amitié, Dieu lui dit, bon, je te montre un peu. Mais il ne va pas tout lui révéler. Ce genre va dire, mais je sens que Dieu va faire quelque chose avec toi. Mais ce n'est pas clair. Ok. Quelqu'un m'entend? Peu importe l'appel et peu importe les choses que Dieu te montre, Fœtus. Regardez. Même quand l'enfant est né prématuré, je suis né prématuré. 7 mois. Mais j'ai eu besoin de couveuse avant parce qu'en fait, je n'étais pas encore prêt à faire face. Il me fallait des choses artificielles pour me permettre de tenir. Je n'étais pas complètement formé et pas bien équipé pour faire face à l'extérieur. Quelqu'un dit amen. Et nous avons des ministères qui se lèvent avant le temps. Eux, ils sont conscients qu'ils sont appelés, mais personne ne parle d'eux. Et personne ne prophétise sur eux. Personne ne donne une parole. Mais eux seuls, ils sont conscients. Et c'est normal qu'ils soient conscients. Dieu veut que tu sois conscient. Mais Dieu ne te révèle pas aux gens parce que tu es à l'abri secrète du Très-Haut. Quand tu es à l'abri secrète du Très-Haut, personne ne comprend ta vie, y compris à l'église, prophète, peu importe. Ta vie est scellée. Quelqu'un entend ici? Tu as dit, Seigneur, je prie pour la maison. Tu es à l'abri secrète. Tu n'es pas encore prêt. Ce que Dieu veut faire avec toi, le problème de Dieu, ce n'est pas ta maison. C'est ce qu'il veut déposer en toi et ce que tu feras à l'extérieur après cette étape. Et tu n'es pas prêt à affronter ça. Alors, qu'est-ce que le fœtus va faire? Va vouloir affronter la vie alors qu'il est fœtus. Et finalement, vous ramez dans la vie. Tu as besoin qu'on te pompe chaque jour. Pompe, courage, pomper. Tu as, comment ça s'appelle? Perfusion, perfusion pour refaire, perfusion pour potassium, pour magnésium. Tu as besoin, toute ta vie chrétienne, c'est perfusion. Parce que tu es né avant le temps. Tu es sorti de l'abri avant le temps. Quelqu'un m'entend ici? Oh non, vous ne m'entendez pas. Des ministères sont morts parce que ils sont sortis de la cachette avant le temps. Le problème, ce n'est pas tu sais chanter. Est-ce que c'est le temps pour toi? Est-ce que c'est le temps parce que c'est Dieu qui te révèle? Ce n'est pas toi qui te révèle. Jésus fait 33 ans, mais personne ne connaît sa vie. 30 ans, je vais dire ça comme ça. Personne ne connaît sa vie. On fait un petit truc à 12 ans où il est dans le temple, après on referme. Caché à l'abri, secret du Très-Haut. Au milieu d'Israël, il marche parmi eux, mais personne n'a la révélation que voici le Messie. Oh non. Vous savez, c'est l'étape à comprendre avant l'onction. C'est l'étape importante avant l'onction. L'étape importante avant l'onction, c'est l'abri secrète du Très-Haut où tu es préparé pour cette onction. Mets-moi Luc 1, s'il te plaît, 118 à 80. Toute la vie de Jésus, mais il a vécu parmi eux. Pourquoi on ne comprend pas très bien son histoire? On n'en parle pas très bien. Le gars est caché. On a vu un peu l'apparition de certains prophètes. Lorsqu'il était bébé, on l'a présenté. Et après, il n'y a plus d'histoire. On voit un peu, il fuit en Égypte. Pourquoi? Vous pensez que Dieu n'était pas assez puissant pour protéger Jésus? Pourquoi il l'envoie en Égypte? Le temps pour lui d'affronter l'extérieur n'était pas encore arrivé. Il est à l'abri secrète du Très-Haut. Et là, il est question de Jean-Baptiste. Regardez bien. J'ai pris ça à moitié, mais on parle de son père qui parle un peu de son fils, Jean-Baptiste, qui est né aussi bizarrement. Et dans ce, il dit, par là, les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, selon lequel l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix.
Et l'enfant croissait, on parle de Jean-Baptiste, il croissait et se fortifiait en esprit. Et il fut dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Et pourtant le prophète est né, mais il n'est pas révélé. Le gars est dans le désert. La Bible dit jusqu'au temps marqué pour qu'il soit révélé à Israël. Et là il était prêt. Quelqu'un m'entend ici? On a des ministères fœtus. Quand tu es dans le lieu secret du Seigneur, Dieu ne parle pas de ta vie. Dieu ne dit rien parce que la prophétie révèle ta vie. Quand je prophétise sur toi, et si ce que je dis de toi est vrai, il n'y a pas que les hommes qui sont au courant. Le diable est informé. Parce que jusqu'à ce jour, tu es dans les lieux secrets de l'Éternel. La position la plus élevée, le diable n'a pas la capacité d'aller dans le secret de l'Éternel et connaître ta vie. À moins que Dieu envoie un prophète pour révéler. Et quand Dieu envoie un prophète pour révéler ta vie, ça veut dire que tu es prêt. Parce que ce jour, il n'y a pas que le ciel qui sera au courant. Il n'y a pas que les anges qui sont au courant. Il n'y a pas que les démons qui sont au courant. Le diable sera au courant. Les hommes seront au courant. Et tous vont s'élever. Ah bon, on a un ennemi ici. Ce jour-là. Quelqu'un m'entend? Ce jour-là, tu es préparé pour faire face aux circonstances. Il est enfin prêt. Il est enfin prêt. La Bible dit jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Il est resté dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Il y avait un temps arrêté pour sa manifestation. Jean-Baptiste n'était pas encore prêt pour faire face à la religion en Israël. Alors Dieu le cache quelque part dans le désert. Et le gars, il mange là-bas et il prie jusqu'à un temps bien déterminé. Et c'est ça là que nous n'aimons pas. Nous voulons l'onction sans le processus. Dieu dit, attends, attends, tu n'es pas prêt. Ce n'est pas la prédication, ce n'est pas le fait de prophétiser. Est-ce que tu as le revêtement? Parce que le prophète est ciblé par plusieurs gens d'esprit. Donc quand tu sors de ta cachette pour dire, je suis prophète, et si on dit, ah bon, lui aussi? Tu as quitté l'abri secrète. Et là, on va te ramasser avec des cuillères, essayer de mettre... Dieu va envoyer plusieurs hommes de Dieu pour les perfusions. On va te perfuser pour que tu sois en vie. Quelqu'un m'entend ici? Et on a plusieurs ministères comme ça. L'onction, c'est un processus. Même si tu sens que oui, j'ai senti la présence, ça, c'est encore rien. Ce n'est que le début, la première goutte est arrivée. Et on regarde la fidélité, on regarde le service. Regardez bien. Esaïe ne désire pas l'onction d'Élie, loin d'Élie. Il a dû apprendre à aimer Élie, à désirer, Élisée, à désirer l'onction d'Élie. Il a désiré, il a vu. 7 ans au pied d'Élie, pas pour prophétiser, pour servir Élie. Il était le serviteur d'Élie. Mais pourquoi Dieu cache Élisée? Parce qu'il est censé travailler à la place d'Élie et il n'est pas prêt. Il n'a pas l'expérience d'un prophète majeur pour la nation, mais c'est un prophète. Jusqu'au temps marqué, ce n'est qu'après le départ d'Élie. Et lorsqu'Élisée a posé l'acte, les prophètes, les 40 autres jeunes prophètes qui étaient là ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Donc c'est le prophète majeur après Élie. Le temps est arrivé à son terme. Mais entre-temps, on n'entend pas Élisée dire ainsi parle l'Éternel. Il écoute Élie, il suit Élie, il apprend d'Élie parce que c'est le prophète majeur. Il lui manque l'équipement pour être prophète majeur en Israël. Pas pour être prophète, mais prophète majeur. Il était déjà prophète, mais il lui manquait l'expérience d'un prophète majeur. Cependant, ils étaient nombreux, mais c'est le seul qui a suivi. Quelqu'un m'entend ici? Vous souhaiterez que je prie pour recevoir l'onction? L'onction ne vient pas du coup, boum. Maintenant, j'étais à la réunion, j'ai reçu l'onction. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, mais je suis allé à la réunion de Benny Hinn parce que je cherchais l'onction. Il dit, tech, je suis au sol, tech, je suis au sol. Quand je me lève, moi aussi, je fais tech, il n'y a rien. J'ai dit, mais finalement, tout ce que j'ai reçu où je suis tombé, c'est où? Il avait oublié de leur dire que non, vous ne fonctionnez pas par mon onction. Mon onction active quelque chose chez toi. Maintenant, tu vas devoir activer ta propre grâce. Quelqu'un m'entend ici? Si on devient tous des Benny Hinn, où est la pluralité? Hein? Je ne suis pas Benny Hinn. Et je n'ai pas... j'ai ma personnalité.
Son onction agit sur moi, c'est vrai. Elle va activer quelque chose, une sensibilité chez moi. Mais mon onction a une autre couleur. Et l'onction vient dans le service, dans la discipline. Et Élisée dit à Élie, Élie, je veux le double ton. Il dit, moi, c'est une chose difficile, je ne peux pas te donner. Mais si tu me vois partir, ça veut dire que si tu es mature, ça veut dire que si tu as été équipé pour me voir partir, parce que la condition, c'était voir cet homme quitter le monde des vivants et partir dans un char. Il dit, si tu me vois partir, c'est sûr que tu vas rester. Voilà le coup. Et ils étaient 41 prophètes, 41. Élisée était à côté d'Élie et 40 jeunes prophètes suivaient Élie de loin. Et le seul qui a vu Élie partir, c'est Élisée, qualifié pour rester avec l'onction et le double de l'esprit d'Élie. Et tous étaient prophètes, ils étaient là. Mais où est Élie? Il dit non, il est parti. Il dit non, peut-être qu'il est tombé quelque part. Des prophètes, ils ont dit peut-être qu'il est tombé dans une, sur une montagne. Bouché, les yeux bouchés, non qualifié, Dieu a fermé, bouché, vous. Quelqu'un m'entend ici? Nous voulons des onctions fortes, des onctions puissantes, mais nous ne sommes pas prêts. Dieu a dû amener Moïse 40 ans dans le désert pour le préparer. Je ne sais pas quelle était la formation de Moïse. Vraiment, on n'en parle pas. On sait seulement qu'il était berger. Mais on ne sait pas tout ce que Dieu a pu faire à cet homme-là pour qu'il devienne aussi patient. Avec une onction pareille. Nous voulons l'onction, mais le processus et le service. Pourquoi Dieu les mettait derrière les brebis? À cause du service. Parce que les brebis peuvent te rendre malade. Tu peux même les griller à longueur de journée. Parce que la brebis, elle va te torturer. Elle ne marche jamais en rang. Il y a une différence entre les brebis et les agneaux. Les agneaux sont dociles, les brebis. Et même la joie de la brebis est dangereuse pour elle-même. Elle saute la route au moment où la voiture vient. C'est là où elle saute. Dites-moi, écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu une parabole de Jésus sur les agneaux? Il dit souvent, si une brebis se perd, c'est toujours eux qui se perdent. Jamais les agneaux. Hey, quelqu'un dit alléluia. Parce que dans la maison de Dieu, vous avez les brebis et vous avez les agneaux. Donc quand Dieu a dit à Pierre, paie mes agneaux, il a dit, ça je ferai. Il dit, paie mes brebis. Hé, hey, les brebis. Si c'est les brebis, lui, ils connaissent ce que c'est une brebis. Ils ont grandi dans, ils connaissent comment le comportement d'une brebis. Donc Jésus lui dit, paie mes brebis. Je t'aime Seigneur, mais vraiment... Les agneaux encore, quand tu dis, restez ici, ils restent là. C'est pourquoi on l'appelle agneau. C'est pourquoi Jésus n'est pas comparé à une brebis. Il est comparé à l'agneau, docile. Même on va le tuer, mais il va quand même. Mais il dit, après, eux, ne sont pas comme moi. C'est des brebis. Moi, je suis l'agneau. Eux, paie mes brebis. Quelqu'un dit alléluia. La brebis, elle a besoin d'attention. Elle a besoin qu'on lui montre comment marcher. C'est toujours elle qui quitte le groupe. On ne dit jamais si un homme perd un agneau. Toujours s'il perd une brebis. C'est pourquoi c'est elle qu'on perd toujours. Pourquoi c'est la brebis qu'on perd? Elle tombe dans les... Puis, David dit, quand le lion venait à attraper la brebis, mais la brebis était où pour que le lion le trouve loin des autres? Mais attendez. Non, dites-moi, où était la brebis pour que le lion n'attrape qu'elle? Et c'est toujours elle qui se trouvait dans la gueule de l'ours et dans la gueule du lion. Mais regardez, pour que David aille récupérer la brebis, il lui fallait une onction. Tu ne peux pas, toi, être humain, attraper un lion comme ça et déchirer la gueule et prendre la brebis. Toi et la brebis, vous êtes devenus son petit déjeuner. Nous voulons l'onction de David, mais nous refusons derrière les brebis. Abandonné, même pas reconnu par un père, que quelqu'un capable d'être un roi. Le prophète arrive chez Isaïe, le père de David. Il dit, je dois oindre l'un de tes enfants. Il présente tout le reste sauf David. Le gars est dans la brousse.
Il chantait cette je sais que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec vous. Il a développé tout ça en brousse. Avec les brebis. Les autres avaient le charisme pour être roi. Donc le roi, Isaïe regarde le premier. Et regardez bien. Avant que Dieu n'envoie le Samuel, Dieu avait déjà jaugé chaque membre de la famille et chaque enfant. Parce qu'il y a un test d'abord avant l'onction. Aucun général ne va prendre un militaire, un soldat rebelle dans son armée. Tu es testé et disqualifié. Allô? Les gens pensent qu'il n'y a pas la disqualification. Non, tu vas aller au ciel. Même disqualifié dans le ministère, tu vas aller au ciel, t'inquiète pas, tu iras au ciel. Mais sans la récompense de ce que tu aurais dû faire. Quelqu'un m'entend? Parce que l'onction te qualifie. Ce qui fait de toi un prophète, ce n'est pas le fait de dire ainsi par l'Éternel, c'est l'onction prophétique. Si tu ne l'as pas, même si on t'appelle prophète, le ciel apaisé, testé. Maintenant, c'est toi qui attaques les autres prophètes. Parce que tu ne comprends plus rien. Parce que l'onction te donne de comprendre les autres. Et quand tu perds ça, tu ne comprends plus. Allô? Je vous ai déjà dit. Quand un homme de Dieu perd l'onction, il ne comprend plus l'œuvre de l'Esprit. Il ne saisit plus l'action du Saint-Esprit, même s'il a la connaissance. Et heureusement encore qu'il a la connaissance. Mais s'il perd l'onction, il ne comprend pas comment Dieu agit. Maintenant, il attaque. Et il attaque tous ceux qui sont de sa maison. Parce que the lack of the anointing. Allô? Moi, je vous prépare. En fait, c'est même pas moi, à cause de moi, que Dieu amène ce réveil sur la France. Moi, je ne fais que vous dire comment vous positionner pour attendre. Il y a un fleuve qui arrive dans le ciel. Ça descendra sur toute chair. Mais tout dépend de qui s'est préparé et qui s'est discipliné pour gérer ce qui arrive. Ce n'est pas moi qui vous ai prévu l'onction. Ce n'est pas le prophète qui vous amène l'onction. Je ne peux rien faire sur vous à moins que le ciel l'ait décidé. C'est pourquoi on l'appelle le prophète porte-parole. Celui qui arrive avant que le maître entre dans la scène. Donc quand j'arrive, ainsi parle l'Éternel, ça veut dire que mon maître n'est pas loin. Quand j'ai fini, le maître rentre en scène. C'est ça le prophète. Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je devais repositionner quelque chose. L'onction ne me rend pas plus grand que les autres. C'est une grâce. C'est un revêtement pour le service. C'est un revêtement pour le service, pour servir les autres, pour aider. The anointing of the Holy Spirit. L'onction est le doigt de Dieu pour changer la destinée de certaines personnes. Ça veut dire quand je viens prier pour toi, et si je suis sous onction, l'onction, pas sous stène, pas sa main, pas la chair, ça n'a rien à voir avec le corps charnel. C'est un revêtement. Donc quand je tends la main vers toi, ce n'est pas ma main. Si tu regardes ma main physique, tu perds. Il y a un revêtement tout autour de sostène. Si tu es connecté, ta guérison vient tout de suite. Ce n'est pas sostène, c'est ni ma chair, ni mon nom. Certaines personnes m'ont demandé, mais pourquoi quand tu pries pour les gens, tu gardes la main comme ça? Parce que pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec moi. C'est pourquoi je garde la main de loin. Pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec moi. C'est une affaire céleste, un revêtement autour de moi pour aider les gens. Je crois qu'on était quelque part en Suisse. J'étais avec Mike et Samuel. Et quelque chose va nous arriver. Je pense que Dieu l'a permis aussi pour que nous comprenions quelque chose. Voici une bien-aimée. On était tous en train de parler. Et moi, je joue au piano, même si je ne sais pas jouer, mais je joue. J'aime jouer. Je joue mes notes à moi. Si vous m'écoutez, vous pouvez fuir. Mais moi-même, j'aime. Ça va. Alors, nous sommes là. Nous sommes comme une fraternelle. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, certains s'exhortent, d'autres s'encouragent, d'autres prient. Et moi, j'étais au piano et j'ai chanté mes chants. Et puis, la bien-aimée s'élève pour aller au petit coin. Et finalement, il y avait une autre sœur,
mais sensible dans l'esprit, sensible à cette sœur. Si elle n'avait pas été sensible, sensible, elle me dit, il faut que je regarde la sœur qui est partie au petit coin. Dès qu'elle arrive, elle pousse la porte est ouverte, et la sœur est au sol, sans bouger. Elle est en train de faire un AVC. Il n'y a que les médecins qui connaissent, qui comprennent ça. Alors tout ça est en train de tourner comme ça. Et la sœur a couru, elle est venue me dire au piano, « Homme de Dieu, viens vite !» Quand je suis arrivé, vous savez, il faut être prudent, n'est-ce pas? Dieu lui dit, « Appelle les urgences. » Mais moi, je savais quelle urgence j'allais appeler. Donc, toi, tu appelles dans le processus naturel, il faut avertir les urgences. Donc, j'ai dit, « Appelle-les !» Elle appelle les urgences. Et moi, je prends la sœur dans mes bras. Et j'ai dit, « Jesus !» une fois. Je suis resté comme ça avec elle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé l'onction couvrir la sœur. Je suis resté là 5 minutes. Elle est là complètement. Et elle perdait complètement les forces. Tout d'un coup, quelque chose va se passer. Elle va rendre. Et puis la bouche va revenir doucement. Doucement, en 10 minutes, elle est revenue complètement comme avant. Et elle s'est levée. Comment vous expliquez ça? Que quelqu'un est en train de faire un AVC et l'onction du Saint-Esprit, pas Sosten, l'onction du Saint-Esprit empêche la personne de faire AVC. The anointing of the Holy Spirit. Je n'ai pas dit, moi, je suis un prophète. Non. Ce n'est pas une affaire de prophète. Quelqu'un a transmis son onction quelque part. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et il faut que je m'en serve pour aider et ramener cette sœur. Parce que sinon, son ministère était foutu. Ça veut dire que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vos bien-aimés peuvent partir devant vous, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Elle s'est levée et tous on était là dépassés. Je dis, mais ce n'est pas possible, parce qu'on avait une infirmière. Justement, celle qui l'a trouvée était une infirmière. Donc elle savait ce qu'elle disait. Choqué. Il y a une sœur que j'ai croisée sur Paris. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avait trouvé mon numéro de téléphone. Et elle prend mon numéro de téléphone. Elle m'appelle. Je suis à salon. Et elle vient. Mais elle avait un problème. D'après les médecins, il y avait un truc comme un cancer dans la tête, au cerveau. Vous ne recevez rien de ce que vous ne respectez pas. Je peux prier pour vous. Si vous ne respectez pas mon onction, il n'y aura rien du tout. Vous rentrez chez vous. Parce que ce n'est pas une affaire Sosten qui vous aime. C'est une affaire de Dieu qui vous aime. Si vous aimez et respectez ce que Dieu a envoyé, ben vous l'avez. Vous ne pouvez recevoir un don du prophète qu'en aimant le prophète. Quelqu'un m'a dit non, homme de Dieu, mais vous êtes quand même homme de Dieu, même si on ne vous aime pas. J'ai dit non, il n'y a pas de souci, moi je te pardonne. Mais est-ce que Dieu te pardonne toi? Moi, je te pardonne, il n'y a pas de souci, mais est-ce que le ciel est d'accord avec ta façon d'agir? Sinon, tu n'as rien du tout, parce que ce n'est pas ce soutien. Quelqu'un m'entend ici? Vous ne recevez pas ce que vous ne respectez pas. L'onction est bizarre. Regardez. Dans notre version, verset tout à l'heure, de... Psaume. Je suis censé terminer à quelle heure? Faut me dire. À quoi? D'accord. Hein? Écoutez. Dans le verset qu'on avait, Psaume 91, verset 1, il dit, celui qui demeure à l'abri secret du Très-Haut, il y a une autre chose qui va dire, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on parle de l'ombre, on ne parle pas de l'ombre, le soleil brille sur le Seigneur et puis son ombre. Quand vous voyez l'ombre, ce n'est pas l'ombre qui est le reflet de ta personne sur le sol parce que tu es en face du soleil ou en face d'une lampe. Il est question, quand on parle à l'ombre du Tout-Puissant, Tout-Puissant, donc dans ce verset, il y a deux noms du Seigneur qui sont révélés. Il y a El Elyon qui est le Très-Haut et puis El Shaddai qui est le Tout-Puissant. Oh.
Donc celui qui repose à l'abri du Très-Haut, de El Elyon, le lieu secret du El Elyon, repose à l'ombre de El Shaddai. El Shaddai vient de Shaddad. Shaddad qui veut dire l'âme la plus destructrice qui puisse avoir. Donc celui qui détient le pouvoir pour détruire n'importe quoi, y compris toute la terre et l'univers. The Almighty God, the creator of everything. Il est à l'ombre de El Shaddai. Le Dieu qui détient toute puissance. Ça veut dire qu'à part lui, personne n'a la puissance. L'ombre du Tout-Puissant, qu'est-ce que c'est? Dans la traduction littérale, c'est une âme destructrice. Elle détruit n'importe quoi et n'importe quand. Il détient toute cette puissance destructrice. Dis-moi, est-ce que vous croyez même que la puissance de Dieu peut détruire la bombe atomique? Soyons vrais. Dites la vérité. Vous ne croyez pas. Mais si vous croyez, pourquoi vous avez peur? Si vous croyez, pourquoi vous avez peur? Parce que la peur montre que vous ne croyez pas. La peur est un signe que vous n'avez pas confiance en cette puissance. Il dit, celui qui demeure à l'abri secrète de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Oh, my God. C'est comme le diable est arrivé avec toute sa force. El Shaddai. Il a déployé son nom. El Shaddai. Autour de ta vie. El Shaddai. Mighty God. Ils peuvent tous venir. Ils peuvent tous venir. Et là, il n'est pas question seulement des anges. Parce qu'il parle de l'ombre du Tout-Puissant. Il ne parle pas de l'armée du Tout-Puissant. Il parle de l'ombre du Tout-Puissant. On dira quelque chose qui émane de lui-même. Il y a un déploiement autour de ta personne que l'ennemi ne peut pas atteindre. Vous savez, les bergers en Israël, pour éviter les mouches sur les brebis, il est oint d'huile. Mando, brassé, d'azur, ala, azabé. Donc Dieu, comme tu es une brebis, David dit, oint d'huile ma tête. Vous savez, les démons fuient l'onction. Les démons n'attaquent pas facilement celui qui est oint. Le déploiement de la puissance de Dieu, il dit, vous recevrez une puissance. Quelque chose venant de El Shaddai. Qui est l'ombre du Tout-Puissant autour du croyant, autour du serviteur. Ce déploiement de puissance destructive. C'est pourquoi je peux venir chez toi et dire, sois guéri et les pieds sur le... Parce que la puissance de El Shaddai, cette puissance est déployée autour de toi. Oh non, quelqu'un ne m'entend pas ici. Vous savez, quand l'onction est là, vous évitez les noms de Jésus 100 fois. Oh non, au nom de Jésus, oh non, non. Quand elle est là, tu es dans le repos. Tu as l'abri secret du Très-Haut. Les démons ne peuvent pas quitter là et rentrer. Tu as l'abri secret. Et dans le déploiement de El Shaddai. Mande Zaros. Oh non, non. Oh, pour une fièvre. Oh, fièvre, viens, je te dis. Oh, la sueur, tu as prié pour la fièvre. Mon Dieu, et quand ce sera un cancer, on priera comment? Pourquoi tu n'es pas conscient du déploiement de El Shaddai? Il dit à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez ce que Gabriel a dit à Marie. Marie dit, mais comment est-ce que je peux avoir un enfant? Il dit, là c'est paraphrase. Il dit, Marie, ça, au ciel, ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et écoutez, c'est quoi l'ombre du Tout-Puissant? Il dit, il te couvrira de son ombre. Et ce qui est impossible devient possible. La puissance du Très-Haut est venue sur Marie. Oh non. Et un enfant s'est retrouvé dans son ventre parce que la puissance du Très-Haut, l'ombre de El Shaddai, the anointing of the Holy Spirit. Et là, je parle de l'onction comme protection. Oh. Là, je ne parle pas pour l'onction comme prier pour les malades et les guérisons. Je parle d'onction comme une arme défensive
où l'ennemi attaque. La Bible dit, il est sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Et le Saint-Esprit dit, Marie, c'est pas un problème. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il y a un déploiement de puissance autour de ta vie. Et ce qui est impossible devient possible. On m'a amené une femme enceinte et qui avait fait une chute de vélo. C'est bizarre, une femme enceinte qui fait du vélo. Elle est tombée. Donc tout ça, ça c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Mais on ne peut pas faire des examens puisqu'elle est enceinte. Pas de scanner, pas de... Il n'y a que des médecins qui comprennent ça. Je ne sais pas ce qu'on peut faire à cette femme. Hein? Échographie seulement. Pas de scanner. Bon, on va faire l'échographie au niveau des os. On ne peut pas, n'est-ce pas? Voilà, le médecin a dit on ne peut pas. Maintenant, elle cherche comment. C'était une catholique. Et une sœur zélée est allée la chercher pour dire, je sais où il se trouve Jésus. Je dis, hé, hey, je... Il dit, il ne faut pas donner des responsabilités comme ça, il ne faut pas mettre sur mon dos, je ne suis pas Jésus. Chacun son nom. Quand ça ne va pas marcher, tu vas dire, oh, non, c'est le nom de Jésus, pas le nom de Sostène. Parce que vous, les chrétiens, c'est comme ça. Quand ça ne marche pas, c'est un faux prophète. Est-ce que c'est mon nom? Pourquoi dit que c'est un faux Jésus? Pourquoi c'est un faux prophète? Moi, il a dit au mon nom. Moi, j'ai dit au nom de Jésus, sois guéri. Si tu n'es pas guéri, pourquoi ça devient ma faute? Je ne comprends pas. Il dit à mon nom, guéris-moi. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Je m'en vais. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Donc, je ne vais pas m'inquiéter si tu seras guéri ou pas. Il a dit à mon nom. Donc, je confirme ce qu'il a dit. Maintenant, tu prends lui et sa puissance et son nom, vous rentrez à la maison. Vous faites ce que vous voulez parce qu'il n'a pas dit comment tu devrais être guéri. Il dit à mon nom, ils seront guéris. Il n'a pas dit comment. Il n'a pas dit proclame le nom. Donc je proclame le nom. Et comment ça va se faire? Je ne sais pas. Je rentre chez moi. Oh, mon Dieu. Parce que le nom de Jésus est une clé pour l'onction du Saint-Esprit. Elle est libérée in the name of Jesus. Le diable n'attaquera pas facilement quelqu'un qui est anointé. Prenez psaume 89. On va avancer rapidement. J'ai juste deux versets. Et puis on va prier un instant. Psaume 89, verset 20 à 23. Ah, voilà. Regardez bien ce que Dieu dit. J'ai trouvé David, ça c'est Dieu, mon serviteur. Je l'ai loin de mon huile sainte. Hey. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main sera fermement avec lui et mon bras le fortifiera. D'après vous, où est son bras et où est sa main? C'est cette huile. C'est pas le Tout-Puissant va descendre sa main de là-haut. Et on voit la grosse main de Dieu poursuivre David pour le fortifier. Il dit, j'ai oint d'huile ma tête, mon bras. Cette onction est la force de Dieu. Et mon bras le fortifiera. La suite, s'il vous plaît. L'ennemi ne le surprendra pas à cause de l'huile. L'ennemi ne le surprendra pas à cause de l'huile. Il n'est pas surpris. Il dit, l'ennemi ne le pressera pas. Et le fils d'iniquité ne l'affligera pas. J'abattrai ses adversaires devant sa face et je frapperai ceux qui le haïssent. Because of the anointing. C'est pourquoi il explique, je l'ai loin de mon huile. J'ai déposé moi ma capacité sur lui. Et l'ennemi ne va pas le presser, ne va pas le surprendre. Amen. Il dit, ma main le surprend, ma main va le fortifier. Où est la main de l'Éternel? Parfois nous pensons que Jésus est descendu. Non. Mon enfant, je te fortifie. Je te fortifie. Il dit non. Pour te fortifier, il donne cette force. Et quand on voit comment Daniel, Gabriel, amène Daniel à se tenir debout, il n'a rien mis sur Daniel. Il dit, Daniel, debout. Et Daniel dit, et je fus fortifié, et je me tiens debout, rien que par la parole. Ça, c'est l'ange, pas Dieu. Gabriel dit à Daniel, fortifie-toi et sois debout. Il dit, et je me suis senti fortifié, et je me tiens debout. Et Gabriel,
Vous ne comprenez pas ce qu'est l'onction. L'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. Non, 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 non. Mais on n'y peut rien si elle est trop forte. Il n'y a pas de souci de tomber. Mais ce n'est pas son but. C'est le doigt de Dieu pour rectifier certaines choses, pour réécrire certaines choses. J'ai dit à quelqu'un, j'ai posé la question à mes amis, j'ai dit, qui a ouvert la mer? Moïse ou Dieu? Ils ont dit Dieu. J'ai dit, c'est bien, lisons les Écritures. On va dans les Écritures. Et on voit Moïse dire, Dieu dit à Moïse, Moïse! Parce que Moïse est sur le point de prier, ils sont devant la mer. Et Dieu dit à Moïse, Moïse! En fait, comme pour lui faire comprendre que la puissance que tu cherchais déjà en bas là-bas, c'est chez toi. Lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Oh, et quoi, comment? Il dit, fends-la. Ah, donc j'ai l'autorité pour fendre la mer. Oh my dear God. Ce n'est pas Dieu. Il a laissé la responsabilité à Moïse parce qu'il avait déjà donné la force à Moïse pour faire ça. Donc Moïse était à l'école de Dieu. Il a dit, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Donc vous imaginez Moïse devant la mer. Nous, on aime, nous ce que nous, on aime bien faire, c'est dire, Seigneur, pourquoi je t'ai demandé de briser ça, tu n'as pas brisé. J'ai demandé de déplacer la montagne. Il n'a jamais dit qu'il allait briser quelque chose pour toi. Jamais Dieu, dans sa parole, a dit qu'il allait en déplacer une montagne pour toi. Jamais il n'a dit. Dans quel livre, dites-moi, où Dieu a dit qu'il allait faire chasser tes ennemis à ta place? Il dit à mon nom. Et ils liront les démons, ils chasseront les démons. En mon nom! Donc si tu as un problème de démon, ne dis pas Jésus, viens voir. Il dit non, ce n'est pas moi. J'ai déjà tout dit là-bas. Vous imaginez que vous êtes avec Moïse devant la mer. Et vous voyez ce monsieur-là soulever le bâton. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il met la main comme ça. Et puis il fait ça. Parce que quand Dieu lui parlait, tout le monde n'entendait pas. On voit seulement les gestes. Il fait comme ça. Tout d'un coup, le vent commence à vous ramener. Qu'est-ce qu'il fait ce gars? Ça, c'est pas la magie, ça. Est-ce que ça, c'est encore Dieu? Parce qu'il ne leur a pas enseigné sur ce que c'est. Quand vous perdez l'onction, vous ne comprenez plus les œuvres de l'esprit. Donc, tout le peuple dit, comme il a été élevé aussi par Pharaon, vous imaginez, il a été élevé par Pharaon, ça peut être de la magie égyptienne. Parce que quand Dieu lui demande de poser l'acte, c'est pas écrit dans la... Avant, l'on arrivait que non, moi je ferais comme ça, et si je ne fais pas ça comme ça, c'est pas moi. C'est la première fois qu'il voyait ça. Il voyait un autre fou de Dieu, Élie, avec un jeune garçon appelé Élisée. Celui-là aussi, c'est un fou, pour suivre un fou. Parce que les deux, ils vivent en marge de la société. Personne ne comprend. Vous voyez un gars arriver, il est sapé d'un costume fait de peau d'animaux et une ceinture, et il mange que du miel. Et on voit, il y a un gars qui le suit. Moi, je te suis, on dit, mais toi, tu es malade ou quoi? Tu ne suis que le gars, regarde comment il est habillé. Et c'est celui-là, ton modèle, Élie. Parce que le gars n'est pas correctement habillé. On n'a pas parlé de ses chaussures. Je ne sais pas quoi ce qu'il portait. Parce que si tu n'es pas dans l'esprit, il n'y a pas l'onction, tu ne comprends pas le message de Dieu. Si Élie avait vécu à notre époque, je serais peut-être le premier à le lapider. Y compris le Seigneur Jésus. Il ne faut pas mentir. Un gars qui arrive, il s'oppose à plusieurs lois, certaines choses dans la Torah. Il faut avoir l'esprit ouvert. C'est que Dieu t'a ouvert l'esprit pour que tu comprennes que c'est lui. Les gars ont eu du mal à comprendre. Mais dis-nous, es-tu le Messie ou non? Il dit, mais je vous le dis depuis. Il dit, mais pourquoi il brise le sabbat? Il ne comprend rien, lui-là. Mais il faisait souvent des choses pour choquer les gens. Il fallait être spirituellement alerté. Et le réveil qui arrive, je vous assure. Sinon, on ne fait pas attention, c'est même nous-mêmes qui allons attaquer les instruments du réveil. Parce que c'est spirituellement qu'il faut comprendre. Ce n'est pas politiquement et correct. Quelqu'un m'entend? Quand vous marchez dans l'esprit, on ne vous comprend pas. Et vous voyez, Élie arrivé devant le Jourdain. La Bible dit, il prit son manteau. Tout le monde regarde. Donc, il y avait 40 prophètes qui regardaient. Et Élisée aussi derrière, il regarde. La Bible dit, il prit son manteau, l'enveloppa autour du bras. Machabashi. Il n'a pas dit, oh Dieu, Il dit non. Le gars est conscient qu'il transporte quelque chose venu d'en haut. Le manteau est le symbole de son onction. Il prend le symbole de son onction, il enveloppe autour du bras. La Bible dit, il frappe le Jourdain. Et le Jourdain s'ouvre. Il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre. Il y a quelque chose qui nous manque de comprendre pour opérer comme Dieu.
Et Élie n'est pas dans le Nouveau Testament. Élie est dans l'Ancien. Et la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Dites-moi s'il vous plaît. Si c'est la réalité, c'est nous. Où sont les œuvres? Si eux, ils ne sont pas dans la grâce, c'est que eux, ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas sous la grâce. Jésus n'est pas là. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit habitant en eux. Je n'ai pas entendu le cri dans le ciel. Ouais. Et il dit, non, Père, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas laissé venir au temps du Messie? Ce que j'ai fait sans le Messie, oh, à plus forte raison, si j'avais vécu au temps du Messie. Moïse, là-haut, dit, non, ce n'est pas ce que nous, on vous a enseigné. Ce n'est pas ce qu'on vous a laissé comme héritage. Il aurait pu peut-être dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas venu au temps de la grâce? Dans le temps de la loi, regarde ce que j'ai fait. À plus forte raison, si j'étais venu au temps de la grâce. Mais regarde-nous, nous sommes dans les temps de la grâce. Où sont les œuvres? S'il vous plaît, je vous assure la vérité. Cette génération peut être jugée dans le ciel. Jésus lui-même parlait aux villes. Il dit, si j'ai ce que j'ai fait, je l'avais fait dans telle ou telle autre ville, il se serait repenti. Notre génération est devenue la moins consacrée. C'est la génération fast, fast food, fast, tout est fast. Donc je demande au Seigneur, s'il ne répond pas, mais pourquoi il n'a pas, on t'a dit que c'est un iPad, est-ce que c'est Internet? Ce n'est pas Internet, on ne clique pas comme ça. Tu dois rester au pied du maître, tu dois rester au pied du maître, tu dois mourir au pied du maître. L'onction ne vient pas à moins qu'il sent que tu es mort en toi-même. Nous, on veut faire plus que les Moïse. Hein? On veut faire plus qu'Élie. Hein? Y compris même Paul. Paul! Il n'y a pas un seul truc qu'on a fait comme Paul. Le déploiement sur sa vie fait qu'on prend ses habits, on dépose sur un possédé. Le possédé fuit à cause de cette onction, cette protection autour de lui. On a pris juste un petit peu sur l'habit. On a déposé sur un possédé. Les démons fuient. L'onction comme armes défensives. Parce que dans le combat spirituel, vous avez les armes offensives et vous avez les armes défensives. Et l'onction fait partie des armes défensives et offensives. Elle joue deux rôles, défensive et offensive. Lorsque l'ennemi attaque ce déploiement, quand il dit toute arme forgée contre toi ne peut progresser, ne peut atteindre son but, à cause, il dit j'ai oint David, mon huile, je l'ai déposée. Et l'ennemi ne peut pas, à cause de cette huile. Et nous prions, Seigneur, rends-moi prospère, oh Dieu, l'argent. Non, regardez David, à quel moment Dieu parle du bonheur et la grâce? Dites-moi, à quel moment David parle du bonheur et la grâce m'accompagneront? Après l'huile. Donc l'huile. Ça veut dire que la prospérité que vous recherchez en faisant les calculs n'est pas de ce monde comme ça. Celle qui vient d'en haut, ce n'est pas l'école que tu as eu à faire. C'est un revêtement spirituel. Il dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et il parle maintenant du bonheur et la grâce. Avant ça, il parle de l'épreuve. Avant d'arriver à lui, le bonheur et la grâce, il parle de la vallée. Mais vous appelez ça bonheur? Lui-même, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Hein? Ça, où était son bâton? Vous appelez que ça le bonheur? Il n'a parlé du bonheur qu'après l'huile. Il dit, oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Puis le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand le Seigneur a fini ce processus, la oint d'huile, il est parti de là. Nous voulons avoir des onctions puissantes, mais sans le processus. Et je ne suis pas parmi ces prophètes. Non, non, non. Tu peux venir chez moi pour me dire, homme de Dieu, je veux le double de ton onction. Il y a un jeune qui est venu comme ça. J'ai mon petit qui t'a enseigné. Il dit, je veux ton son. J'ai dit, mais je suis pas Élie, je suis pas en train de partir. J'en ai encore besoin. Parce qu'en fait, nous, sans enseignement, on court vers les hommes de Dieu pour dire, homme de Dieu, je veux le double de ton onction. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai pas fini. Élie, il a fini, il s'en va. Qui t'a enseigné? Maintenant, vous avez des brebis YouTube. Brebis YouTube. Ils sont enseignés par YouTube. N'importe qui met les trucs YouTube. Quand tu vas à l'école, tu as besoin d'enseignement progressif. Ce n'est pas un enseignement ici. Non. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la prière? Et tu progresses. Première classe, deuxième classe. Et Dieu, au fur et à mesure, il teste, il voit si tu comprends. YouTube n'a pas ce système.
Et nous avons une génération, le seul groupe en France qui ne fonctionne pas de manière cohérente et unie, c'est l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a des bébés qui sont nés avant le temps. Quand tu nais avant le temps, tes yeux ne sont pas formés, ni les oreilles. Tu n'as pas laissé Dieu terminer ta formation. Et tu es né prématuré, toi-même tu es sorti. Et maintenant quand tu attaques, tu ne comprends pas, tu as attaqué parce que tu as quitté le lieu secret du Très-Haut avant le temps. Là-bas, tu es à l'ombre du Très-Haut, du Tout-Puissant. Il y a un déploiement de protection. Comme le placenta protège le petit nez, le fœtus qui se développe. Quelqu'un nous a montré un petit peu. Un médecin nous a montré, il appelait ça le cri silencieux. Pour les avortements. Et on montre comment ce truc veut percer le placenta. Et c'est bizarre parce qu'il pensait que le fœtus n'est pas vivant. Il pensait que l'enfant à l'intérieur n'est pas vivant. Mais on voit comment l'enfant se défend. Oh my God. Tu vois comment le petit se défend. Au moment où on veut le détruire, il se défend. Il fuit. Et ils ont appelé ça le cri silencieux parce qu'on n'entend pas son cri. Et quand tu es bébé dans la maison de Dieu, tu dois rester caché. Ne dis pas, mais moi aussi je sais prêcher. Reste, il y a un temps réservé pour toi. La Bible dit, il l'a gardé dans le désert jusqu'au temps où il devait être révélé à Israël. Et quand tu as fini le processus, Dieu met l'onction. Ce jour, que tu le veuilles ou pas, tu deviens un homme public. Souvent les gens, ils vont te dire, mais celui-là, pourquoi? Ils vont me dire, mais pourquoi c'est celui-là? Pourquoi Seigneur tu utilises ça? Tu es injuste. Depuis moi je suis là. Tu sais d'où il vient? Tu ne le connais pas parce qu'il était dans le lieu secret du Très-Haut. Et quand tu es là-bas, personne ne connaît ta vie. Les gens voient, tu sors de la scène. Parce qu'avant même qu'Élie ne sorte, on ne sait pas qui il est. Et la Bible, au départ, ne le présente pas comme le prophète Élie. Il dit, il y a eu un homme, Élie le Tishbite. Mais ses œuvres vont amener tout le monde à réfléchir. Le prophète Élie. Notre génération est devenue une génération. Je ne sais pas. S'il y a des choses bizarres qui sont de se passer, c'est l'Église. C'est l'Église. Elle ne marche pas en ordre rangé. Ce n'est pas l'armée du Très-Haut. Parce qu'une armée marche de manière ordonnée. C'est une armée. Stop. Tout le monde s'arrête. Marche. Même arrière, je ne sais pas comment on dit ça dans l'armée. Ou à droite, droite. Bon, allez, je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'on fait. Ou c'est comme ça. Mais tout le monde, quand le Christ sonne en haut, mon corps, Église, stop. Toute l'Église devrait s'arrêter comme une armée ordonnée et entraînée. Mais comme on a des gens qui sortent du placenta et sortent du lieu très haut avant le temps, ils ne savent pas reconnaître, les oreilles n'ont pas été formées pour reconnaître la voix du mec quand il dit « Stop ça !» Je suis allé quelque part et j'ai vu, on m'a dit un homme de Dieu. J'ai dit « Mais qui est le père de cet homme de Dieu ?» Auprès de qui a-t-il appris ça? Il dit non, il n'a pas de père. C'est le Saint-Esprit. Je dis, je comprends pourquoi il est rebelle. Parce que si tu ne sais pas te plier à quelqu'un, tu ne sauras pas te plier à Dieu. Parce que Dieu te met sous l'autorité de quelqu'un pour traiter ton caractère et ton cœur. C'est pourquoi il a mené ses serviteurs devant les brebis pour traiter leur caractère et leur cœur avant l'onction. Et nous avons un pays qui veut voir Dieu. Nous avons une nation qui cherche Dieu. Nous avons une nation qui veut voir le Messie, voir le Christ. Et vous l'avez dans l'Église. Une nation qui cherche une solution. Et vous avez Dieu dans l'Église. Peut-être que je parle à une seule personne. Mais écoute le Seigneur et arrête-toi. Arrête, stop. Va à l'école du Seigneur et reste assis. Assieds-toi à l'école du Seigneur. Tu dis, hey, Seigneur, on reprend à zéro. On reprend. Qu'est-ce qu'est la foi? Je n'ai pas très bien compris la foi parce que je lutte à gauche, à droite, à gauche. Non. Ça, Dieu ne m'a pas appelé à ça. C'est que si je lutte à gauche, à droite, ça veut dire qu'il manque anointing of the Holy Spirit. L'onction est censée déployer quelque chose autour de moi. Une âme défensive. Et c'est elle qui combat pour moi. Elle combat. Si tu manques l'onction, tu es attaqué de partout. L'onction érige une muraille de protection autour de ta vie. Ta vie dépend de l'onction. S'il n'y a pas l'onction, le diable ne te craint pas même si tu vas à l'église.
Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur nous a rendus responsables. Ce n'est pas à lui de faire, c'est à vous. Allez, Seigneur, viens, réveille les morts. Il dit, je ne vous ai jamais dit que je reviendrai réveiller les morts. Seigneur, ressuscite les morts. Il dit, moi, je ne vous ai jamais dit que moi, je ressusciterai les morts. Mais Seigneur, guéris les maladies, je ne vous ai jamais dit. Et comme toi, tu n'es pas à l'écoute, à l'enseignement, tu ne sais même pas qu'il n'a jamais dit ça. Parce que tu n'as jamais été enseigné et tu accuses Dieu parce que tu l'as appelé, intervenu pour guérir, il n'a pas fait. Il n'a jamais dit, je viendrai et guérir vos malades. Pourquoi? Parce que l'étude de la parole est de manière conditionnée et à chaque fois est disciplinée. Tu ne l'as pas. Nos gens sont en train de mourir. Et nous disons, Dieu, mais où est-ce que tu étais? Il dit, mais je ne vous ai jamais dit que c'est moi qui viendrai réveiller les morts et guérir les malades et briser les gens sous l'oppression et tout le reste. Il n'a jamais dit. Mais comme toi, tu es bébé YouTube et tu ne lis pas la parole de manière progressive pour voir et comprendre ce que lui-même, il a dit. Et pour toi, Dieu ne t'aime pas. Mais il y a quiproquo entre ton père et toi parce que tu penses qu'il ne veut pas faire. Alors que lui, dans sa parole, il dit, c'est à toi de faire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et il est allé s'asseoir à côté de son père. Je termine par là. À chaque fois que Dieu trouve l'homme qu'il recherche, Dieu va s'asseoir. Vous allez vous rendre compte que Dieu est allé s'asseoir lorsqu'il a créé Adam. Ce n'est pas parce que Dieu était fatigué. Quand on dit, il se repose, Dieu ne se fatigue jamais. Il a trouvé quelqu'un pour continuer l'œuvre sur la terre, Adam. Et Dieu alla s'asseoir pour dire, Adam, tu as la responsabilité de cultiver tout ça et de faire tout ce qu'il y a à faire pour le bien-être de la terre. Et quand Jésus a fini l'œuvre, après avoir paralysé et détruit et anéanti l'œuvre de l'ennemi, il a trouvé un homme ou une femme appelée Église. Il a pris son autorité, il a donné, et la Bible dit qu'il est monté s'asseoir à la droite du Père. Ils sont deux assis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent. Ils ont trouvé les gens pour continuer l'œuvre et terminer ce qui a terminé. Et quand vous avez terminé, il dit, ah, c'est l'heure d'amener l'épouse à la maison. Elle a fini de travailler. Quelqu'un m'a entendu ici? C'est à toi de te lever là où tu es. Mon onction, je ne peux pas te donner. J'en ai besoin. Si je vous donne, ça veut dire que je meurs, c'est fini, je pars. Quelqu'un m'a entendu? Lève-nous un instant. Nous avons besoin de guerriers et nous avons besoin d'une onction puissante. Quelqu'un lève la main vers le ciel et commence à prier. Et vous savez, il n'y a pas d'huile avant la sanctification. L'huile vient après le sang. C'est quand le sang de Jésus passe que l'huile vient. L'huile vient dans la pureté. Si tu penses que tu es un vase d'honneur, tu dois te conserver pur pour une cérémonie de ton rang. Si tu es vase pur et tu sais que tu es un vase d'honneur, tu ne peux pas te retrouver dans n'importe quelle fête. Tu es conservé pour les noces et pour un temps bien précis. Lève les mains vers le ciel et commence à demander à Dieu. L'église de Bordeaux, c'est une église mature. Ce n'est pas une église bébé où on va enseigner encore les béabas de la parole. C'est elle qui devrait se déployer d'ici et se déverser dans la nation comme des eaux profondes et puissantes pour la guérison des nations. Mais quelqu'un qui a été préparé pour jouer un rôle dans un lieu royal se conserve. Il conserve ses vêtements propres. Parce qu'il est dans le cérémonial, il est attendu. Et ses vêtements doivent être propres parce que le roi a besoin de lui. La question que je te pose, tu veux une onction, mais te conserves-tu? Quelqu'un qui a reçu une onction ne parle pas n'importe comment et n'importe où. Parce que l'onction qu'il a reçue, c'est une autorité. Et cette autorité a été donnée pour bâtir et non pour détruire. Il conserve sa bouche. Il ne parle pas contre les gens. Il ne critique pas. Il garde. Il sait. Il a une maturité. Cette onction lui a été donnée pour bâtir, pour construire et non pour détruire.
Une minute. Lève les mains vers le ciel et demande quelque chose. Demande la pluie. Demande la pluie à Dieu. En une minute. Demande à Dieu la pluie. Demande la pluie à Dieu. Demande la pluie. Demande la pluie. Cette réunion, j'aurais souhaité ne pas prêcher, mais descendre et prier pour les gens. Mais il faut parler. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu. Et elle peut te détruire toi-même si tu ne sais pas la gérer. Si Dieu t'a appelé, que les appelés, que ceux qui ont un appel, que ceux qui ont un appel, tu sais que tu as un appel, viens ici, rapidement. Tu sais que tu as été appelé, même si on ne te connaît pas, viens. Et en venant, tu te sanctifies en même temps. Parce que l'onction vient lorsque, après le sang. Quand le sang passe sur toi, l'onction descend. Il y a à se purifier, il y a à se laver. Parce que le ciel a besoin de chacun d'entre vous. Nous avons un défi énorme. Dieu veut être vu. Jésus ne va pas descendre pour dire, mais voici, moi la France, voilà. Non, il a une église, il a un corps qui est censé fonctionner et faire exactement. Lève les mains vers le ciel et demande à Jésus de te toucher là où tu es. Demande à Jésus de te toucher, de te remplir là où tu es. Même si tu es resté dans l'assemblée, ce n'est pas grave. Demande à Jésus de te toucher là où tu es. Et pendant que nous prions, cette nuée se déploie au-dessus de vous. Elle avance comme à la tente d'assignation. Lorsque Moïse rentrait dans la tente, la Bible dit la nuée descendait au-dessus de la tente. Et Dieu commençait à parler à Moïse. Que l'atmosphère céleste nous rejoigne en cet endroit. Que l'atmosphère du Dieu puissant nous rejoigne en cet endroit. Ton onction a besoin d'être restaurée. Parce que l'onction, tu dois la garder et tu peux la perdre. Même si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux perdre ton onction. Disons qu'elle peut diminuer. Et il faut à chaque fois aller puiser au pied du maître. Sinon, tu fonctionnes par la chair. C'est au pied du maître que se trouve ta force, ta capacité. C'est au pied du maître. Ta force, tu ne la trouveras pas chez une amie, chez un frère, chez qui que ce soit, pour dire vraiment là, je suis fatigué, prie pour moi. Non, 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 non. Va toi-même, laisse ma lampe. Va toi-même allumer ta propre lampe. Va prendre ta lampe. Va au pied du maître, qu'il allume ta lampe et conserve-la pure et allumée pour que le jour où le Messie arrive, tu sois à même d'entendre la trompette. Tu sois à même d'entendre qu'au milieu de la nuit, quand il parle, tu entends. Quand il crie, tu entends. Quand il dit « Lève-toi pour prier, sois discipliné, lève-toi et prie. » Parce que la prière est un ministère. La prière, ce n'est pas demander et recevoir, c'est un ministère. Dieu utilise mes prières pour sauver les Chinois, les Arabes, ou encore qui que ce soit. À chaque fois que j'envoie la prière, cette prière est récupérée pour sauver le monde, pour guérir les gens, pour protéger. Ma prière, Dieu utilise ma prière pour sauver le monde. La prière est un ministère. La prière, ce n'est pas donner et recevoir. La prière est un ministère.